Yo, c'est la Tumeur 3. Yo la S3 Family, aujourd'hui on se retrouve pour les demi-finales qui vont opposer Moss Wassim, 48 kilos à la pesée. Face à lui, on accueille Trafalgar, je sais pas combien de kilos mais t'inquiète, il est là. Arrêtez. Mal au dos, parce qu'il cible la douleur, Nurofen. Ok, maintenant on va voir comment ça va se passer. Bon, avant l'explication des règles, on va demander aux deux challengers de se barrer. Hein. Oh non, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Allez, donc les règles sont très simples. Ça va se passer dans le métro. On a choisi 5 combos qui devront effectuer dans chaque station. Alors voilà, alors les portes s'ouvrent, ils devront sortir du métro, réaliser leur combo et dès qu'ils ont terminé, rentrer dans le métro. Et voilà, avant que les portes se ferment, tout simplement. Et vous savez quoi? Ils sont même pas au courant des tricks qu'ils vont effectuer, mon gars. Et ouais. Ça va être la surprise, mon gars, ils vont galérer. Let's go, venez, on y va. C'est des bâtards. Hein. Ouais, c'est des gamins. Tu sens, ils vont mettre des trucs de ouf. Voilà. Moi, je connais, regarde, par exemple, Anis, un haineux. Ouais. Vu qu'il a pas fait les qualifications, il va nous faire des trucs de ouf. Ouais. Andreas. C'est vrai qu'il était éliminé. Mais oui, non, lui, il a même pas fait. Andreas. Bon, Andreas, ça change rien. Qui tombe sur toi contre moi à la finale. Il va perdre. Ouais. Voilà. Enfin, s'il se qualifie déjà. Voilà, c'est vrai. Mais tu connais, en plus, il va se dire ouais, vas-y, il faut que je les rende fous comme ça. Ouais, il y a moyen de les avoir après. Non, c'est des gamins. Et Logan, il m'a toujours détesté. Ouais. Donc, non, Logan, j'aime bien. Mais Sean n'attaque pas quand même. Toi, donc... Yo la S3 Family, ça va être très simple. Le premier trick que vous allez effectuer, c'est un combo. Vous devez faire en premier un Hamat suivi d'un LAT. Donc c'est ça. C'est-à-dire c'est un combo Hamat. Non, tu dois faire Hamat et ensuite LAT. Mais genre j'ai le droit de jongler entre les lettres? Ouais, t'as le droit de jongler. Mais si tu vois, tu dois retourner au Hamat. Ok, putain, c'est qui commence? C'est moi? Vas-y, je commence. Allez, tu vas réussir. Non, on a pas le droit à l'échauffement, ça va être chaud là. Non, c'est pas là. Raté, va rater. On va se refaire, c'est fini. Allez, on rate. Ah, j'hésite. LAT. Ah non. Il a eu chaud. Ah, ok, petite pression parce que je me suis mis à jongler au début un peu trop. Mais on s'est vite reconcentré et c'est rentré. Allez, fais tout ça pour toi-même. Moi, je suis ouvert moi-même. Il y a personne. Enfin, Junior. Oh, laisse-moi s'il est plus petit. Rade. Il a raté le métro. Non, faut demander la vidéo juste quand même. Ça a tué le métro. Ouais, mais elle est pas tombée là-bas. Jury. Alors le prochain défi pour moi qui commence c'est le slap 360 et le slap tel cross. C'est très bon. Attention mesdames. Allez, slap. Je le somme d'ouf. Mais il est rentré, il a réussi à rentrer quand même. Donc défaite pour Monsieur Moss. Il y a un truc, je sais pas si vous l'ont dit, mais si vous rentrez pas dans le métro, et ben c'est mort pour vous direct. Je vais pas me laisser m'entraîner, c'est bon. Tu fais quoi? Laisse-moi m'entraîner. C'est le moment de prendre l'avantage. T'as de la chance, toi, y'a personne. C'est le moment de prendre l'avantage. Thomas, il a sauté, moi, j'ai pas fini tout. Non, il fait commencer par slap. Il fait commencer par slap. Slap. C'est ça. Slap and cross. Il y a eu une mauvaise éducation de la part des gens. Prochain geste, 4 fois V move, plus un pana. Sur quelqu'un. V move et un pana. Et si la personne c'est de merde, il est incroyable celui-là. Faut aller chercher la personne, c'est elle pas devant. Bon là, go, vite. 1, 2, 3, 4. Y'a quelqu'un qui arrive. Allez, pour marcher, madame. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? On a dit on doit recommencer quand on rate. J'ai vu, il a raté le pana après. Non, c'est le pana. Pourquoi t'as chaud, moi? Mais parce qu'il a raté le pana. Donc, dans l'eau, tu recommences tout le combo. Ouais.
Non, je suis pas chaud, non. Bibi. Allez, Bibi. Ciao. Tiens, vite. 1, 2, 3. Non, il y en a plus 3, Non, il y en a 4, tu peux regarder. Tu peux regarder, voilà, il y en a 4. La première, il y en a 4. Il a perdu la balle. Il y a 2-2. 2-2. Le prochain geste, c'est la partie sit down. Vous avez un geste créatif à faire chacun, ouais. Celui que vous voulez. Vous finissez par spin stone et après vous rentrez. Ok. T'es prêt, Moss? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Go. T'as un côté. Trop facile. Tu m'as raté, ça bibi. Elle a dit ça va être chaud pour lui, ça va être très très chaud. Il est chaud. Ouais, je suis pas ça, mais je sais ce que vous avez pas. Eh, mais franchement. Merci Paris. Le prochain défi, ils sont pas prêts. Je le connais ou pas? Ils sont pas prêts. Tu le connais, mais ils sont pas prêts. Attends, je repense à mes gestes en site là. Ah, c'est un geste. Un truc que j'ai l'habitude de faire. Un geste à toi. Hein. Vas-y. C'est parti. Allez, complet. C'est mort. Merde. J'ai flopé de ouf. Yes. Frérot, t'as raté, c'est comment? Ah, j'ai flopé, putain. J'ai merdé. Merci Paris. Ça fait trop, ça... Là, c'est à toi de commencer, mais tu peux te rattraper. Alors, le geste, c'est quoi? Double tour du monde, c'est-à-dire elle a ouais. Et tu finis par un backflip, tu rentres. Oh lolo. Oh lolo. Très très serré pour la demi-finale. On va voir, ils veulent se battre pour être en finale. Back to back. Non mais c'est la droite à mettre à la main. Moi c'est l'impression de c'est là. Back to back. Attention. Il a raté. Il a le droit la main. Je m'en fous, il a raté. Il a raté. La balle de match pour Bibi peut-être. Vas-y. Reviens. Écoutez, moi je vais jouer sur des mots, ils ont dit backflip. J'ai fait un backflip. Attendez. Ils ont pas dit le ballon, il est où, ils ont dit backflip. On va voir le backflip à Moss et celui qui aura fait le mieux. 3, 2, 1. C'est quoi ce stade? T'as de la chance. J'autorisais la dit. Attention. Il a même levé la balle. Même moi j'avalise. Même le métro l'a validé, franchement, c'est comment? Merci Paris. Moi c'est un final. Champignal, ouais. Moi c'est un final. Tacaron. C'est moi. Yo, c'était la Team S3. L'épreuve est maintenant terminée. Comme à chaque fois, il y a un éliminé. Trafalgar, je vais demander de te rapprocher. Trafalgar, la tribu a décidé de vous éliminer et la sentence est irrévocable. Voilà, donc j'ai décidé de voter pour Eladji parce que déjà il m'aime pas et en plus si lui il gagnait, bah moi je gagnais pas. Donc Eladji, tu dégages. Moi j'ai voté pour Trafalgar. J'ai décidé d'éliminer Eladji parce qu'il veut que je l'appelle Trafalgar et puis moi je préfère son vrai prénom. Donc tout simplement, Eladji, poto, tu t'appelles Eladji, bordel. Donc voilà, j'ai décidé d'éliminer Moss, voilà, comme vous pouvez le voir écrit, parce que voilà, je l'aime pas trop, c'est tout. Allez. Voilà, c'est terminé pour moi. Voilà, le parcours il était lourd, hein. Je me suis tapé des barres quand j'ai vu tout le monde se faire éliminer. Je savais pas que ça faisait ça, mais ça fait plaisir de perdre face à Moss et j'espère qu'il va gagner mon gars ensemble.